chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir et bienvenue sur la chaîne de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission Special Edition. Yves Kenao à la présentation, Malik Sall de l'autre côté de la production. Et aujourd'hui, tout simplement, nous allons faire les analyses. Les analyses du grand discours du président français à l'université de Ouagadougou devant toute la jeunesse burkinabé. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Aujourd'hui, le président français Macron a fait un grand discours à l'université de Ouagadougou devant une grande jeunesse étudiantine. C'est ce discours que nous allons analyser ici. Je ne vais pas analyser tout le discours parce que c'est un discours qui a fait plus d'une heure de temps. J'ai essayé de prendre les points essentiels, les principaux points de ce discours. Monsieur Macron a fait l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. Il a parlé du nouvel espoir que son administration apporte à l'Afrique. Il a parlé du phénomène de l'esclavage en Libye. Il a parlé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres thèmes parmi lesquels le visa pour les études à long terme en France. Voilà, nous allons commencer ce discours de Macron un à un. Macron, dans son discours aujourd'hui, a dit qu'il souhaite rendre hommage à Thomas Sankara. Donc, vous ne laissez pas sans savoir que l'assassinat de Thomas Sankara, jusqu'à aujourd'hui, est resté sans jugement. Et Macron, pour faire plaisir à la jeunesse burkinabé, a dit qu'il souhaite rendre un hommage à Thomas Sankara. Et je voudrais tout simplement dire ici que c'est bien. C'est bien que M. Macron dise qu'il veut rendre hommage à Thomas Sankara, mais il serait beaucoup plus utile. Il serait beaucoup plus utile s'il nous disait qu'il allait déclassifier tous les files, je dis tout le dossier sur l'assassinat de Thomas Sankara, afin que la justice soit faite, afin que tous les complices, tous les assassins de Thomas Sankara puissent être traduits devant les tribunaux et pour que la justice soit donnée, soit rendue à la famille de Thomas Sankara et aux familles de tous les membres de Thomas Sankara qui sont tombés avec lui. Mais M. Macron a manqué de dire cela, a manqué d'ouvrir cette brèche afin que l'espoir de tout un peuple, l'espoir du peuple burkinabé puisse être satisfait. Sur ce point, M. Macron, c'est bien de rendre hommage, c'est bien de vouloir rendre hommage, mais c'est mieux d'ouvrir des enquêtes sur l'assassinat de Thomas Sankara. M. Macron a dit aussi qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Mais quand on sait que toutes les décisions en 2017 sont prises de l'Afrique, sont prises à partir de Paris, on se pose la question, qu'est-ce qu'il entend par il n'y a plus de la politique africaine de France? Dans les faits, il y a toujours cette France-Afrique. Elle est là, quoi qu'on dise. Monsieur Macron, alors encore une fois, je me demande à quoi faites-vous allusion quand on sait déjà que l'opposition togolaise s'est rendue en France dans le cadre de trouver des solutions à la crise togolaise. Si la politique africaine de France n'existe pas, alors qu'est-ce que ce geste, qu'est-ce que cette visite de l'opposition togolaise veut dire en France? Et qu'est-ce que M. Condé a à rendre compte à Macron compte tenu des contacts qu'il a eus avec les opposants togolais? Si vraiment la politique africaine de France n'existe plus, alors cette rencontre ou ce compte rendu à M. Macron ne devrait pas exister. Il dit aussi que la jeunesse africaine
réclament de participer au destin de l'Afrique. Ça, c'est normal. Et à la globalisation. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la globalisation, c'est la raison du plus fort. Or, nous savons que les pays africains n'ont pas une économie forte. Et la globalisation voudrait dire tout simplement que vous devez céder. Et dans cette histoire de globalisation, je sais que la jeunesse africaine n'a pas sa place. La compétition est très rude. La compétition est aussi rude que c'est très difficile aux sociétés africaines, au marché africain, de pouvoir compétir. Et il nous parle de globalisation. Ça, c'est vraiment important. C'est un gros mot. Mais qui, jusqu'à présent, ne fait pas l'affaire de l'Afrique? Il nous a parlé aussi, il nous a dit aussi que les conséquences de la colonisation européenne sont incontestables. Et si la France reconnaît, si monsieur reconnaît que les conséquences de la colonisation européenne sont incontestables, alors que fait-il pour réparer les torts? Que fait-il? Ça fait des centaines de siècles que cette histoire-là existe. L'Afrique a subi. Elle continue de subir. Et si les coupables, si les responsables de la souffrance de l'Afrique savent que les conséquences sont incontestables, alors ils doivent faire quelque chose. J'avais pensé que M. Macron allait briser avec la tradition en disant que l'Europe, ou du moins c'est la France, va indemniser l'Afrique pour tout ce qu'elle a fait au temps de colonisation. Mais il a manqué de faire cela. Ça a été, comme d'habitude, de beaux discours, mais vides de sens. Monsieur Macron a aussi parlé de beaucoup de choses, parmi lesquelles il parle d'un engagement de la France à apporter, ou du moins de l'Europe, de la France et de l'Europe, à apporter l'aide publique. Il parle de 0,55%, de 0,55% du PIB, en faveur de l'aide publique, donc d'aider les Africains. Voilà, ça c'est intéressant. Et quand vous l'écoutez, c'est intéressant. L'Europe, la France s'engage à aider l'Afrique à relever son PIB de 0,55. C'est beau, c'est intéressant. Mais, dès l'instant que les pays africains vont prendre cette aide-là, cette aide va se transformer en dette que les Africains ne finiront jamais, jamais, jamais de payer. Vous voyez? Ce sont des discours. Si nous ici à Tempo Afrique TV, si nous avons pris le temps d'analyser, de lire ce discours, d'écouter ce discours, de le lire, ligne à travers ligne, ligne à travers ligne, c'est justement parce que dedans, il y a des pièges, il y a des choses qu'on doit expliquer à la masse, au peuple. Cette aide en faveur de l'aide publique, dès que l'Afrique prend cette aide devient une dette que l'Afrique doit payer. C'est ça qui fait que nous disons chaque fois que les pays africains sont endettés. Monsieur Macron aussi a parlé d'un sujet tellement important. Il a parlé donc de la Libye, de la situation de la Libye. Il a dit que si lui, il était président, et ça c'est suite à une question qu'une étudiante du Burkina Faso lui a posée sur la Libye et les forces françaises sur le sol africain. Monsieur Macron a dit clairement que si lui, il était président, il n'allait pas autoriser l'intervention de la Libye. Et que ce qui se passe aujourd'hui en Libye est à dénoncer. Et il a dénoncé. Mais il y a quelque chose qu'il a dit et qui a attiré tellement mon attention. Et ça m'a rappelé l'histoire que nous avons apprise à l'école sur l'esclavage. Macron nous dit aujourd'hui que les trafiquants des esclaves africains, ce sont les Africains.
Je vais vous laisser écouter ce que Macron a dit. Et ça me rappelle quand nous avons appris à l'école que la traite négrière était faite par les Africains. Que c'était les Africains qui vendaient les esclaves africains. Cette histoire là revient encore. Et en 2017, c'est le président français Macron qui le dit ouvertement devant des Africains et sur le sol africain. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'on entend, jeunesse africaine ? Vous êtes incroyable ! Qui sont les trafiquants ? Ce sont des Africains, mon ami ! Ce sont des Africains ! Posez-vous aussi cette question. Ce sont des Français. Je vous répète. Voilà, vous l'avez entendu. Et il le dit que ce ne sont pas les Français qui font le trafic des Africains. Que ce sont les Africains qui font le trafic. En un mot, il nous dit que ce sont les Africains qui vendent les Africains en Libye. Que ce ne sont pas les Français qui vendent les Africains en Libye. Que ce n'est personne d'autre. Ce sont les Africains. Écoutez bien, chers Africains. Macron nous dit que ce sont les Africains qui vendent les Africains en Libye. Alors, si les Africains vendent les Africains en Libye, qui les achète? Pourquoi M. Macron nous a-t-il pas dit ceux-là qui achètent ces Africains vendus par les Africains? Donc, si je comprends, quand les Africains vendent les Africains, les autres Africains les achètent. Et où est-ce qu'on les amène? Dans quel pays africain on les amène? Mais si les Africains les vendent, qui les achète? Qu'on nous le dise. Qui les achète? Et qui a organisé ce commerce honteux? Moi, j'avais pensé que, parce que l'histoire, l'esclavage datait des centaines d'années, que les historiens ont voulu embellir la chose en disant que c'était les Africains qui vendaient les Africains, que le blanc n'a jamais vendu l'Africain. Je ne savais pas que cette histoire-là allait revenir en 2017, en novembre 2017, où le président français nous dit, vous l'avez entendu vous-même, que les trafiquants des Africains en Libye sont des Africains. Voilà, ce ne sont pas des Français, c'est ce qu'il a dit. C'est un peu triste quand même. Mais posons-nous la question. Quand Gaddafi était de vivant, est-ce qu'on parlait de du trafic des esclaves africains? Quand Gaddafi était vivant, est-ce qu'on parlait de traversée de la Méditerranée? Non. Et quand on attaqua Gaddafi, c'était une résolution de l'ONU sous présentation de la France. Aujourd'hui que tout est gâté en Libye, on trouve que ce sont les Africains qui sont responsables. On trouve ça, que ce sont les Africains qui sont responsables. Et on vient sur le sol africain pour nous dire cela. Au moins un peu de respect pour ce continent. Les Africains n'ont jamais vendu les Africains. Quelqu'un a besoin de la matière première. Quelqu'un a besoin de ces Africains-là. C'est pourquoi il y a une commerce. S'il n'y a pas appel d'offres, s'il n'y a pas demande, il n'y a pas offre. C'est parce qu'il y a demande qu'il y a offre. Monsieur le Président. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser sur cette affaire de la Libye parce que ça fait mal. Et quand ça fait mal, il faudrait quand même que l'on en parle. Monsieur Macron a aussi parlé, il a aussi parlé des bourses d'études. Monsieur Macron a parlé des bourses d'études. Il a dit qu'il va accorder une bourse d'études
des visas. Il va donner des visas d'études à long séjour. Qu'est-ce qu'il appelle visa d'études à long séjour? Ça voudrait dire que si vous êtes docteur, si vous êtes médecin, que vous allez faire des études approfondies, ou bien si vous avez le bac et vous allez pour faire des études de médecine en France, dès que vous finissez vos études, si vous voulez rentrer dans vos pays, dans votre pays en Afrique, vous pouvez rentrer. Mais vous gardez toujours ce visa-là qui vous permettra de retourner en France chaque fois que vous voulez. Ça, c'est bon. Mais au même moment, il parle dans son discours aussi d'égalité entre l'homme et la femme. Et il précise qu'il donnera plus la priorité de ces bourses, de ces visas d'études à long séjour. Il donne la priorité aux jeunes étudiantes africaines. Ça voudrait dire que plus nos jeunes filles étudiantes partiront sous l'administration de Macron. Mais n'oubliez pas que Macron nous a dit, les étudiants lui ont posé la question quand il disait que trop de naissances en Afrique est l'une des conséquences de la pauvreté de l'Afrique. On lui a posé cette question à Ouagadougou aujourd'hui. Et le président burkinabé était obligé de lui faire savoir de retirer ce mot-là. Maintenant, il change de stratégie et dit qu'il donne priorité à nos jeunes étudiantes sous son administration. Qui fait les enfants? Qui conçoit les enfants? C'est une autre manière de dire, bon, plus je vais faire partir les filles, les jeunes étudiantes, et les garçons se le resteront. C'est une autre manière de réduire la naissance. Car vous savez que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les gens ne font pas beaucoup d'enfants. Plus elles viennent, elles vont en France, en Europe, plus la naissance diminue. Et il atteint son but. C'est comme ça, c'est cette lecture-là que je fais de cette phrase quand il dit il va donner priorité, égalité des femmes, il va donner priorité aux jeunes filles, aux jeunes étudiantes africaines. Mais s'il y a égalité entre l'homme et la femme, pourquoi il y aura discrimination entre les visas? S'il y a égalité entre l'homme et la femme, pourquoi discrimination entre les visas? Pourquoi? C'est un autre point très important. L'Afrique est le seul continent encore où la jeunesse est grande. Le pourcentage de la jeunesse, il est beaucoup plus grand en Afrique qu'ailleurs. Et c'est pour ça que les scientifiques, les statisticiens disent que l'Afrique est l'avenir et la puissance de demain. La force vitale, la force économique, la force industrielle, la force, la main-d'œuvre, c'est l'Afrique. Tous les autres continents sont vieux. C'est l'Afrique. C'est le continent de l'avenir. Si nous, Africains, nous ne le savons pas, c'est le continent de l'avenir. C'est le continent où il y a plus de jeunes. C'est à nous seulement, il suffit qu'on s'organise. Qu'on s'organise sérieusement et mieux pour que le décollage économique arrive. J'ai foi, j'ai confiance, j'ai foi. I believe, je crois que ça, on arrivera là. Mesdames, Messieurs, c'est cette lecture-là que je fais de cette phrase, la priorité de visa d'études. Alors ce jour sera accordé aux jeunes étudiants africains sous l'égide de l'égalité entre l'homme et la femme. Durant son séjour à Ouagadougou, M. Macron a eu à répondre aux questions des étudiants de Burkina Faso. Une étudiante burkinabé lui a posé la question, Monsieur le Président, qu'est-ce que les forces militaires françaises cherchent en Afrique? Pourquoi on a plus de militaires français en Afrique?
Et à cette question, Monsieur le Président français, sous une colère, il est énervé pour tous ceux qui vont le suivre. Vous allez le suivre bientôt. Il était énervé d'avoir écouté cette question. Il était énervé. Et il a mis de l'ordre. Il a rappelé à l'ordre l'étudiante. Il a rappelé à l'ordre l'ensemble des Africains. À qui il a dit d'apprécier ce que les militaires français font sur le sol français, le sol africain. Vous allez l'écouter dans quelques instants. Mais permettez-moi quand même que je vous donne mon appréciation sur cette attitude du président français. Le président français ne peut pas venir sur le sol africain et dire aux Africains qu'il n'apprécie pas le travail que les militaires français font sur le sol africain. Que les Africains sont ingrats en ne reconnaissant pas le travail que les soldats français font sur le sol africain. Sous prétexte que les soldats français sont là pour sauver les Africains, pour protéger les Africains. Qui a demandé aux soldats français qu'il a besoin de leur protection? Qui a demandé aux soldats français qu'il a besoin qu'ils viennent le sauver? Qui? Quel Africain? Quand les Français ont des bases militaires partout en Afrique, c'est pour protéger les intérêts français ou c'est pour protéger les Africains? Et depuis que certains pays africains leur disent qu'ils n'ont plus besoin de leur soi-disant protection, pourquoi ne partent-ils pas à ces bases? Pourquoi ces militaires français ne partent-ils pas? Et aujourd'hui, Macron nous dit que nous n'avons pas apprécié, que nous n'apprécions pas le service rendu par les soldats militaires sur le sol africain. Ça, c'est une injure grave. C'est une injure grave que tout un continent ne saura accepter, ne saura tolérer. C'est une injure grave que nous ne devons que les applaudir. Au lieu de faire trop de commentaires, je vous laisse suivre. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, c'est vraiment important. Cette télévision qui est l'éveil de la conscience africaine doit vous faire savoir qu'il y a certaines choses que nous ne devons pas rigoler avec. Et j'ai été écœuré, j'ai été surpris de voir certains Africains burkinabés applaudir quand M. le Président a dit cela. Une injure que les Africains applaudissent. Et ça, ce qui est encore grave, ce qui est grave, c'est l'élite de demain. Ce sont des étudiants. C'est l'élite de demain qui n'a pas lu entre les lignes que c'était des injures. C'était une injure grave de dire que les Africains sont ingrats en n'appréciant pas le service que les soldats militaires ont rendu aux Africains sur le sol africain. Pourquoi d'abord ils sont là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? Ok, nous n'avons plus besoin de leur protection. Qu'ils s'en aillent. Monsieur le producteur, faites-nous écouter ce morceau-là, cette bande de Monsieur Macron, s'il vous plaît. Beaucoup moins de soldats, je vous le dis. Et ce que vous devriez faire, vous êtes une jeune femme. Imaginez que vous êtes une jeune femme qui vit à Angoulême en France. Elle n'a jamais vu Ouagadougou. Elle n'y a peut-être même pas entendu parler de Ouagadougou. Et elle a son jeune frère qui se bat dans les troupes françaises et qui est peut-être mort ces derniers mois pour vous sauver. Et vous, vous la remerciez en me disant ça? Vous n'avez pas votre jeune frère qui est en train de se battre en ce moment sur le sol belge ou sur le sol français. Vous avez peut-être votre grand-père, votre arrière-grand-père qui est venu se battre pour aider la France quand elle était attaquée en 14-18 ou en 39-45. Ça, oui. Donc il faut regarder cette histoire partagée. Mais ne venez pas me raconter et me parler comme ça des soldats français. Vous ne devez qu'une chose pour les soldats français, les applaudir.
On doit les applaudir, parce que les soldats français, ils sont là, aux côtés. Finis de répondre, les amis. Les soldats français. Je vais finir la réponse. Les soldats français, ils sont là, aux côtés de vos soldats, des soldats de la région, pour assurer la sécurité. Mais à qui vous devez vous attaquer ? À ceux qui mènent ces discours de haine et de terrorisme, de manière très claire. Vous avez écouté, vous l'avez vu, vous l'avez entendu vous-même. Il dit qu'on ne doit qu'une seule chose à ces soldats français, c'est de les applaudir. Applaudir pourquoi ? Et comme quoi il y a aussi des... Oh my goodness, il y a des gens aussi qui ont applaudi. Ils ont applaudi. Et c'est ça la relève de demain. C'est ça la relève de demain. C'est ça une partie de la relève de demain. Qui n'arrive pas à lire entre les lignes. On vous dit que les Français sont là pour vous sauver, pour vous protéger. Nous n'avons pas fait la guerre. Nous ne vendons pas les armes. Nous ne vendons pas les missiles. Nous ne savons même pas fabriquer un rayon de vélo. C'est ceux-là qui vendent les armes. Ils sont là pour vendre leurs armes. Ils sont là pour vendre leurs munitions. Et on vous dit qu'ils sont là pour vous protéger. Vous applaudissez. J'espère que tous ceux qui ont applaudi, quand ils vont rentrer à la maison et voir ce qu'ils ont fait comme bêtise, ils vont se corriger, ils n'applaudiront plus demain. J'espère ça. Parce que ça, c'est une bêtise humaine. C'est une bêtise humaine qu'on ne saurait tolérer. Que des intellectuels, des étudiants puissent applaudir quand on leur dit que l'Afrique ne doit qu'une seule chose aux soldats français, les applaudir. Les applaudir pourquoi ? D'avoir occupé l'Afrique ? De les applaudir pourquoi ? Mesdames, messieurs, c'est ce que M. Macron est venu dire. M. Macron a dit qu'il ne voudrait pas, dans son discours toujours, qu'il ne voudrait pas qu'on le traite comme un impérialiste. Ou du moins un colonisateur. Et qu'il voudrait discuter parce que lui-même qui n'a pas vécu cette époque de colonisation. Et qu'il voudrait discuter, qu'il ne voudrait pas donner des ordres. Qu'il ne voudrait pas discuter et qu'il ne voudrait pas donner des ordres, mais discuter à égal, avec la nouvelle génération, avec la génération africaine. Mais au même moment, dans son discours, dans ses gestes, il met l'ordre. Il dit, ah non, je ne suis pas le colon, mais j'ai les habitudes du colon. Parce que, en disant aux Africains qui sont ingrats, c'est le même discours que ses prédécesseurs ont tenu. Pour ceux qui sont en France, pour ceux qui visitent la France, quand vous allez, c'est le langage du français commun. Il vous dit, après tout ce que la France a fait pour vous, quand il s'adresse aux Africains qui sont en France, c'est comme ça qu'il leur parle. Après tout ce que la France vous a fait, vous parlez mal d'elle. Qu'est-ce que la France a fait à l'Afrique? Donc, M. Macron qui disait qu'il ne voudrait pas agir en tant qu'impérialiste ou colonisateur, mais a les mêmes habitudes de colonisateur d'un impérialiste. Vous, vous êtes mes élèves, moi je suis le maître. Vous devez applaudir mes soldats, vous ne devez pas les critiquer. Ils sont là comme d'habitude pour vous sauver, pour vous protéger, pour vous civiliser. Quelle est la différence entre le discours de Sarkozy et le discours de Macron? C'est le même. C'est le même. La seule différence que Sarkozy fait partie de l'ancienne classe, lui il est de la nouvelle classe. Ce sont les mêmes habitudes, les mêmes tactiques. L'oppresseur et l'opprimé. Sinon on ne va pas nous dire que ce sont les Africains qui vendent les Africains en Tripoli, que les Africains devraient remercier les soldats français parce qu'ils sont là pour les sauver.
on ne devrait pas nous dire qu'on va seulement donner les bourses, les visas d'études, donner la priorité aux jeunes étudiantes. Pourquoi les jeunes étudiantes? Égalité de femmes et d'hommes. Alors pourquoi la discrimination? On n'allait pas nous dire tout ça. La chose la plus importante, c'est que il a dit quelque chose aussi de très important. À une question d'une étudiante qui lui faisait savoir que la salle dans laquelle, l'amphithéâtre dans lequel ils sont, il y a suffisamment de climatisation, il n'y a pas assez d'électricité, et que comment faire revenir l'énergie, l'électricité au Burkina Faso dans les salles à l'université, Macron a quand même fait un bon travail là-bas. D'une manière ironique, il a dit, il a montré aux chefs d'État africains qui sont incompétents. Il a montré aux chefs d'État africains qui ne peuvent pas faire le travail à leur place. Donc, c'est une réponse que j'ai appréciée de la part de Macron, du président Macron. J'ai apprécié cette vérité. Il dit à la jeune étudiante, je ne suis pas là pour mettre de la lumière, pour mettre de l'électricité dans les salles, dans les amphithéâtres à l'université. Ce n'est pas mon travail. C'est le travail du président du Burkina Faso. Ce n'est pas mon travail. Et vous imaginez un fait extraordinaire. Un fait extraordinaire se produit. Quand il disait cela, il s'est tourné vers le président burkinabé pour lui dire, demander, poser la question au président du Burkina Faso. Et au moment où il disait poser la question au président du Burkina Faso, il s'est tourné vers lui. Et voilà, d'une manière, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, le président burkinabé s'est levé pour sortir de la salle. Il a vu, en un mot. Il a vu. C'est juste pour lui dire que, monsieur le président, vous ne faites pas votre travail. C'est pour lui dire que, monsieur le président, c'est votre travail de mettre de l'électricité dans les salles à l'université, de mettre la lumière, de climatiser la salle. Et d'une manière ironique, pour ne pas frustrer le président burkinabé, il dit qu'au nom qu'il est parti, qu'il s'est levé pour aller fixer la climatisation. Je vais demander à la production de nous faire écouter cet élément important où, encore une fois, le président français ridiculise ses confrères africains. Pas seulement le président burkinabé, c'est l'ensemble des chefs d'État africains. C'est pour dire aux chefs d'État africains qu'il y a certaines choses que lui, président français, ne peut pas faire à leur place. Chacun doit jouer son rôle. Et aussi pour dire aux présidents africains, vous ne faites pas votre travail. Suivons cet élément et après on fait le commentaire. Amé, je parle sérieusement. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit, et donc je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens, mais chacun a son rôle.
Voilà, c'est un peu difficile, c'est un peu dur à avaler pour moi en tant qu'Africain. Un chef d'État africain, un chef d'État, un chef qui ne peut pas rester pour écouter la triste vérité. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rester là devant son peuple pour que son maître lui dise qu'il ne fait pas son travail. Ça, ce n'est pas un chef d'État. Toutes mes excuses au président, toutes mes excuses au peuple burkinabé. Ça, c'est un affront. Il ne devrait pas quitter la salle. Il est chef. Il représente les Burkinabés. Il devrait rester là, écouter. Il ne peut pas faire à la première des choses. Il est le commandant de ce navire qui est le peuple, le pays, qui est le Burkina Faso. Il ne peut pas abandonner le navire. Et son fils va lui parler. Son fils va lui dire une vérité. Et il ne peut pas. Il ne peut pas. Il se lève et il disparaît. Voilà, c'est le genre de pays, c'est le genre de chef d'État que nous avons en Afrique. Serait été un autre, un véritable président qui resterait là pour dire que ouais, je vais m'en en charger. Juste comme ça. Monsieur le président, ça sera fait. C'est comme ça, d'une manière subtile. Mais il a disparu. Il a 11 parus. Ce n'est pas disparu, mais il a 11 parus. Il a disparu. Chers Africains, je pense que ce passage du discours de Monsieur le Président français, Son Excellence Macron, va réveiller la conscience des chefs d'État africains pour qu'ils commencent par assumer leurs responsabilités, pour que Macron ne puisse plus dire cette même chose à un autre chef d'État africain, que ceci leur serve de leçon. Que chacun fasse son travail, s'il vous plaît, président africain. Je l'ai entendu aujourd'hui au Burkina Faso. Je ne voudrais plus l'entendre un jour dans une autre capitale. Que ce soit par un président français ou un ministre français, ou un secrétaire américain ou un président américain. Je ne veux pas. Ça n'honore pas l'Afrique. Ça n'honore pas du tout l'Afrique. Que des chefs d'État ne puissent pas s'asseoir pour écouter des vérités de leur négligence ou de leur incompétence. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle aussi que M. Macron est ici, est en Afrique pour quelques jours. Il va passer en Côte d'Ivoire demain. Demain, 29 décembre, il sera en Côte d'Ivoire. Il va se rendre au Ghana. Il va en Côte d'Ivoire pour le sommet de développement entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et l'Europe. Probablement, ils parleront des questions de la Libye et de la crise togolaise. Nous allons vous retrouver après cette publicité pour qu'on puisse parler donc de la situation au Togo. Je vous rappelle que vous suivez Tempo Afrique TV, l'émission Special Edition. À tout à l'heure donc. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est votre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Afrique. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Niawa qui est toujours là pour être connecté Encore une avec fois, vous. Nous vous retrouvons.
sur Tempo Afrique TV. L'émission que vous suivez est Special Edition. Mesdames, Messieurs, le 16 décembre 2017, le Togo devrait accueillir le sommet de la CEDEAO. Mais tout avant cela, le président togolais s'est rendu la semaine passée, même cette semaine, au Nigeria pour rencontrer le président de ce pays. Et à la sortie, au sortir de leur entretien entre le président nigérien et le président togolais, il a été question du report du sommet de la CEDEAO du Togo. Donc le Togo a renoncé à accueillir le sommet de la CEDEAO devant annoncer l'adhésion du Maroc à cette organisation sous-régionale. Donc le Maroc a voulu intégrer la CEDEAO et normalement le président togolais Fornia Simbé il est le président en exercice de la CEDEAO et que le sommet de la CEDEAO devrait avoir lieu dans la capitale du président en exercice. Mais le président togolais s'est rendu au Nigeria et à la sortie de l'audience, les deux chefs d'État ont déclaré que le sommet est transféré à Abuja, au Nigeria, et il aura lieu le 16 décembre 2017. Mais les raisons pour le désistement du Togo à accueillir ce sommet ne sont pas évoquées. Mais avant la situation politique qui prévaut au Togo, on s'est dit que l'insécurité et l'instabilité politique à l'heure actuelle au Togo fait que peut-être peut justifier ce report. Donc le sommet qui devrait avoir lieu au Togo n'aura plus lieu, il aura lieu à Abuja. Mais la question qui reste posée, est-ce que le président togolais en exercice de cette organisation sera là, puisque on ne peut pas le tenir chez lui, est-ce qu'il sera à Abuja? Nous restons toujours au Togo pour dire que l'opposition togolaise et le gouvernement de Fornia Simbé sont en train de baliser le terrain pour un dialogue durant ce mois de décembre. Selon les informations de dernière minute, qui restent encore à vérifier, le dialogue inter-togolais probablement se tiendra, commencera le 10 décembre prochain. Vous voyez, le 10 décembre prochain, le dialogue inter-togolais va commencer. Selon nos sources, il reste encore que nous les confirmions. Voilà. Mais le président, peut-être que le président togolais sera à ce dialogue inter-togolais, ce qui a fait que, bon, il ne peut pas être au fourreau moulin, il ne peut pas être des deux côtés, et que le sommet est transformé à Abuja. C'est ce que nous apprenons des dernières minutes. Vous savez que l'opposition togolaise a posé des préalables et qu'ensemble, l'opposition et le gouvernement, ils sont en train de travailler pour que ce dialogue tant entendu par les Togolais ait lieu pour aboutir à un gouvernement d'union. Et ce gouvernement d'union, on ne sait pas encore comment sera composé ce gouvernement d'union, mais tout compte fait, je pense que c'est vers cela que les choses nous orientent. Mais encore une fois, le Togo est imprévisible. Il faut attendre que dialogue inter-togolais ait lieu et qu'on voit ce qui va sortir de ce dialogue. Et après, on verra si c'est le gouvernement d'union qui a opté. Voilà, mais pour le gouvernement d'union, les rumeurs courent que c'est probablement ceux qui détiennent même les clés de ce dialogue inter-togolais. On parle de l'ancien ministre François Boko et on parle aussi de notre ancien ministre Boudjona Pascal, que ce sont ces personnes-là qui détiennent les clés de ce dialogue inter-togolais. Bon, il reste encore à voir. Le Togo, comme je l'ai dit, est imprévisible. Tout compte fait, les choses sont en train d'être accélérées, les contacts sont là, les gens sont en train de travailler des deux côtés pour trouver un consensus,
un minimum de consensus afin que ce dialogue inter-togolais tant attendu par les Togolais puisse arriver et dénouer la crise. Parce que le pays économiquement est paralysé. Le pays économiquement est paralysé et seul ce dialogue inter-togolais peut libérer le pays. Mesdames, Messieurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette spéciale édition d'aujourd'hui. Yves Kenao était à la présentation, Malik Sall à la production. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Je vous retrouve. N'oubliez pas surtout, l'émission, c'est Special Edition. L'heure, c'est à 20h, heure de Minneapolis. Et où? Sur Tempo Afrique TV, la chaîne de la diaspora. L'éveil, c'est là où commence l'éveil du continent africain. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne nuit.